Pourquoi tu es rentré en business? Et bien, tu vois, quand je pose cette question à des entrepreneurs que je coach, bon, j'ai plein de réponses. Hein. Il y a l'argent, l'envie de se réaliser. Mais une réponse qui revient aussi assez régulièrement, c'est je voulais être libre de mon temps. Je fais ok, cool. Et puis, quand tu es libre de ton temps, tu fais quoi? Alors, j'ai des réponses. J'ai envie d'être avec ma famille, mes enfants, j'ai envie d'aller faire du sport, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller faire. Il y a plein de réponses. Je fais ok, et puis c'est quand la dernière fois que t'as fait ça? Et puis ils sont là, oh, pff, aucune idée, j'en sais rien du tout. Et puis je leur demande, mais comment tu te sens en ce moment? Oh bah je suis fatigué, j'ai pas d'énergie, ça me saoule parce que je le fais pas. Et puis on voit ces personnes là qui déclinent, qui perdent leur enthousiasme, qui perdent toute la vibe, je dirais, du début d'être entré dans l'entrepreneuriat. Et puis franchement, je connais aussi, hein, j'ai vécu le truc. Hein. Et ils se retrouvent comme un peu, je dirais, emprisonnés, mais dans une prison qu'ils ont construite tout seuls. Et ce qui est relou avec le travail, c'est que ça prend toute la place qu'on lui donne. Et si tu veux avoir du temps, pour les choses qui te font vraiment triper, bah, t'es mieux de le planifier, quoi, parce que le boulot, il va prendre tout le temps toute ta place. Alors tu sais, je suis pas meilleur que toi, hein, j'ai pas plus d'heures dans une journée que toi ou dans une semaine. Mais par contre, par exemple, moi j'aime bien marcher. Mais j'ai pas tout le temps 3 ou 4 heures pour aller me taper une rando. Et bah tu vois là, il est quoi? Il est 7h30, 7h45. Je suis parti me faire 4 km de marche, qui met une patate de fou. Et puis quand je vais rentrer à mon bureau, je vais pouvoir attaquer mes rendez-vous super énergisé. Je vais me sentir bien, j'ai fait ce qui me fait kiffer. Et tu vois, si tu veux au moins une seule bonne raison, parce que si t'es en business, tu vas me dire, ah ouais, moi j'ai envie de défendre mes clients, je veux leur apporter le meilleur service. Mais si t'as un mental de merde, si t'es épuisé, etc., et que t'as une négo, et qu'en face, la personne à qui tu vas négocier, elle a pris du temps pour elle, elle est énergisée, etc., qu'est-ce qui va gagner? Je peux t'assurer, c'est pas toi. Donc va prendre le temps là, tu kiffes tes gamins, bah va faire un truc avec eux. Tu kiffes d'aller faire de la marche, va marcher une demi-heure, va prendre l'air. Tu kiffes autre chose, bah fais autre chose, voilà, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, si t'es rentré en business pour la liberté de ton temps, vas-y, sois libre, fais ce que t'aimes. Allez, salut.